tous mes petits potes, ici Smoke and Play. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve sur Black Desert Online les amis. Partie 2 de la découverte présentation les amis. Donc voilà, je suis un peu désolé, ça va... Enfin, je veux dire par là que ouais, je suis désolé, je vais faire beaucoup de vidéos, mais parce que je veux vraiment, vraiment tout regarder correctement, vraiment voir, enfin regarder le jeu en profondeur les amis. Je veux rien rater, je veux tout savoir, etc. etc. Petite parenthèse, à la partie 1 de la présentation, j'ai oublié de vous montrer sur le site les métiers qu'il y a à faire dans le jeu. Donc je vous montre en vitesse, il y a le commerce, apprenez les bases pour devenir un marchand prospère, commencez par trouver un moyen de transport plus sûr et plus rapide. Domptage, apprivoiser des chevaux sauvages pour voyager plus facilement entre les villes et les champs. A savoir qu'on peut revendre les chevaux après les amis. Pêche et récolte, donc ben, on pêche, on récolte plusieurs choses, du bois, etc. Artisanat, développez vos connaissances en alchimie, cuisine et bien plus, améliorez votre savoir-faire au fil du temps. Connaissance, savoir c'est pouvoir, obtenez des connaissances et utilisez-les à votre avantage. Et habitation, votre propre maison avec des possibilités d'aménagement et d'utilisation sans limite, construisez la maison de vos rêves. Donc voilà les amis, c'est aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est un sandbox les amis, c'est un peu un sandbox. Enfin vous verrez de toute façon, si vous suivez la série, vous allez kiffer les amis, j'en suis sûr. Donc ça c'est bon, on peut quitter. Ok les amis, donc je vous disais, je voulais pas finir la création de notre personnage avec le mode fenêtré parce que bah, j'ai horreur de ça déjà pour moi, puis pour vous aussi, ça sera pas beau sur la vidéo. Même si j'aurais pu l'enlever en réduisant la taille, etc. Mais ça cachait, on voyait pas tous les boutons, etc. Enfin voilà, j'ai préféré remettre correctement les amis au moins. Moi j'aime bien quand les choses sont bien... bien correctement les amis. Allez, on est reparti. Donc on avait pris Media C2. Vous voyez tous les serveurs aussi, les amis sont blindés de chez blindés. Il n'y a aucun qui est... Imhotep quoi. Putain, le chevalier il était bien stylé quand même. Hein. Du coup. Je regarde un peu la vidéo pour voir les attaques, les amis. Non, non, allez, on s'en fout, on reprend le magicien, on verra bien. De toute façon, on va découvrir le jeu, là, donc... Ok, donc, horoscope, on avait pris chameau. Ok, ça, c'est bon. Personnalisation, ok, alors, les cheveux, on avait pris ça. On avait baissé ça. La couleur, on avait pris du marron les amis, mais je suis en train de me demander, ouais je vais faire comme ça les amis, voilà comme ça. C'est nickel. Ça, ouais, non, on va pas changer. Ouais, ça fait bien comme ça. Ouais, ouais, nickel. Ok, ça, c'est fait. Ensuite, le visage. Ok, la peau, alors ça, c'est bon. Les sourcils, la barbe. Alors, la barbe, on avait pris... peut-être prendre ça, la moustache on n'en veut pas, les pattes on n'en veut pas, les sourcils on avait pris ceci, alors couleur des sourcils les amis,
Ouais, on va les prendre comme ça, les amis. Alors, merde, merde, merde. Putain, les amis, je suis trop pressé, un truc de fou là. Je pense autant que vous, même plus. Donc, faut que je me bouge le cul là. Barbe, on n'a pas pris de couleur. Ok, ouais, un peu comme les sourcils, voilà les amis. Ok, donc ça c'est bon. Forme du visage. Vous voyez, voilà. Putain, j'ai du mal à parler les amis. Voilà tout ce qu'on peut changer les amis, regardez. C'est un truc de malade. Toutes les zones en bleu, c'est tout ce que vous pouvez modifier. Par exemple, ah vous voyez, je peux étirer comme ça ses yeux. Je peux étirer son nez. Ok, alors maquillage. On peut mettre du maquillage autour des yeux. Ah non, on peut pas vu qu'on a vu qu'on a un mec, je pense. Ouais, non, je pense on peut pas. Ouais. Bon, c'est un peu logique, mais. Alors les yeux, élèves, iris, lentilles. Ok. Ah, on peut mettre non, trop nice. Non, on peut mettre des étoiles. Vous voyez tous les types d'œils qu'on peut mettre? Des cœurs. Ah, on peut mettre en mode serpent, genre. Ou comme ça. Non, ça, on va pas toucher. Ah, on pourrait mettre comme ça. Iris. Non, ça, on va laisser. C'est comment par défaut? Merde, je sais plus c'était quelle couleur par défaut. Noir, je crois. Donc l'iris. On va mettre ça, on va voir ce que ça donne. Lentille. What? Alors ça, si on fait voilà comme ça, lentille. Mettre violet. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est le tour. Ok. Ok les amis. Ouais non, on va partir comme ça les amis, on va pas se faire chier. Alors c'est le contour des yeux. Tatouage. Ah, on peut mettre un tatouage. What?
peut déjà mettre tout ça dès le départ. Ok, nous on va rien mettre, les amis. Ah, ride. Ah, on peut le faire plus vieux, mais pas plus jeune en fait, ouais. Expression d'attente. Ah, c'est quand on sera en attente dans le jeu, on va faire une tête. Comment, les amis? On peut pas voir à l'avance aussi. Ah si, on peut quand même changer après, ok. Genre en mode on dort quoi. Comme ça, ok. Attendez 2 secondes, les amis. Ça, la barbe, je voudrais juste voir. Ok, on va mettre ça comme ça. Voilà, nickel. Alors, le corps, les amis. Contrôleur, alors largeur. Muscle. Ok, les muscles. What the fuck? Ah, forme, c'est quoi là aussi? Ah, ok, on peut choisir. Et... Wow. Genre ça, ah ouais, on peut écarter ça. Ok, on peut vraiment tout. Tatouage. De toute façon, on sera pas souvent nu, je pense, les amis. Hein. À moins que, mais ça m'étonnerait. Ouais, je prendrais bien ça. Ouais, on va prendre ça, les amis. Modifier pause. Non, bah non. Ça, ok, faut... Ok, bon, ben ça a l'air d'être bon, les amis. La voix grave, ah, ok. Ça c'est bon, ça me va. Donc action, ça c'est quoi? Position, vêtements, on s'en fout. Je pense, vêtements c'est pas pour le jeu de toute façon, bah non, je pense pas. Hein. On va pas commencer. On verra bien de toute façon, les amis, c'est pas grave. Hein. Nom du personnage. Ah là j'aurais pu mettre... Merde. On peut plus changer le nom de famille du coup. Règle du de création du nom. Caractère autorisé.
on peut pas utiliser deux fois la même lettre carrément. On peut pas utiliser ce que j'ai utilisé évidemment. Donc on va mettre quoi les amis? Ah je sais les amis. Nuage, on va mettre. Création terminée. Oh non, ce nom est... Oh non. Est-ce qu'on peut mettre une majuscule à la fin? Les majuscules. Est-ce que ça change quelque chose si je fais ça? Non, apparemment. Ça doit être pris, je pense. Ok. On n'est pas dans la merde, les amis. Hein. Qu'est-ce que je prends? Putain, merde. Putain, mais il y a déjà tous les noms d'utiliser ou quoi? C'est un truc de fou quand même. Ah ça y est les amis, nuage avec deux U, avec deux A pardon, nuage en attente, position actuelle, connexion immédiate autorisée, attaché. Ouais attaché. Pourquoi attaché? Moi je veux pas attaché. Je veux jouer moi. Ah ça y est les amis, c'est parti. Petit chargement en bas. Donc ça c'est la carte du monde les amis qu'on voit, on la voit comme ça en jeu. Là je sais pas si c'est à moi de... Non je peux rien faire. Bon, c'est le chargement les amis. On va attendre. Hein. En même temps, comme je vous l'ai dit, quand vous connectez sur le jeu, en fait, toute la map est chargée d'un seul coup, les amis. Ensuite, il n'y aura plus aucun chargement. Même en rentrant dans ce que vous voulez, un bâtiment, une grotte ou je ne sais quoi, il n'y a aucun chargement. Il n'y a pas d'instance, les amis. C'est voilà, vous entrez dans le jeu, tout est chargé, vous avez accès à tout d'un coup. Donc ça, c'est un truc de ouf, les amis. Franchement, c'est le premier jeu que je vois ça. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas... Petite musique chinoise. Ça y est les amis, ça commence. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, ça c'est notre... je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Petit fantôme qui vous suit là, que je disais. Back when ships from Valencia would anchor in Nauru, children would greet the merchants and fireworks would light the skies. Nauru was a thriving city of sailors and merchants. And crowded areas bondés étaient gardés par des mercenaires. Nul ne savait ce qui s'était passé. Quelqu'un parmi ces gens connaissait-il la pierre Ison? Elle est la pierre mythique de l'ancienne, je sais pas quoi. Mais le sombre pouvoir qu'elle possède a été dissimulé par cette même civilisation. At last,
Illysium fut finalement découverte. Une fumée noire mystérieuse s'éleva au-dessus des falaises. Elle semblait savoir exactement où elle allait. Vers Goma Naru. La pierre Illysium vola en éclats. Les gens commencèrent à disparaître à travers Goma Naru. Trop bien fait. À la fin, il ne resta personne et ce jour fut bientôt oublié. Ressasser le passé n'apporte rien de bon. Unissons-nous et façonnons l'avenir. Yes, un paradis imparfait. Puis la petite voix du fantôme, vous entendez, je l'adore. Le royaume des humains. Doit être achevé. Tu fais partie des quelques élus qui nous intéressent. Nous avons besoin de toi. Bien fait les amis, on dirait un film quoi. Excellent. Excellent les amis. Je suis impatient, putain. Oh, te revoilà enfin. J'ai fait les 100 pas pendant un long moment. Je suis heureux que vous soyez réveillés. Ça devrait aller si tu te déplaces un peu. Je vais t'aider un peu, alors essaie de bouger. Tu n'as pas oublié notre accord, n'est-ce pas? Appuie sur Z pour avancer. Peux-tu ressentir mon énergie? Cesse de remuer et tiens-toi droit. Vous pouvez vous déplacer en appuyant sur les touches ZQSD. Ok, donc c'est déjà tout en français, les amis, vu que le jeu est en français, c'est super. Je m'améliore. Je suis plus rapide que je ne l'aurais cru. Appuyez sur Maj plus Z pour courir. N'oubliez pas, j'ai pas lu la suite. File d'attente pour l'inscription sur le marché. Les humains demandent toujours aux autres de faire des tâches ennuyeuses. Quête. Magicien Olvia Balenos. Hey, tu m'entends? Sans moi, tu t'aurais vraiment été dans la panade. J'imagine que tu as un paquet de questions à me poser. Et si on bougeait d'ici avant ça? Ce type là-bas te regarde d'un air inquiet. Va lui parler, qui sait. Peut-être qu'il pourra t'aider. Vous pouvez suivre les lignes au sol pour atteindre votre destination. Utilisez la fonction de course automatique pour voyager sans encombre. Donc la touche T, les amis, ça nous aide. Ça nous dirige tout seul vers la quête actuelle, en fait, les amis. Là, c'est un tutoriel, hein, les amis. Vous voyez, en bas, il y a écrit, il y a 9 parties du tutoriel, enfin je pense que c'est ça. Quand la fenêtre d'interaction apparaît, appuyez sur la touche R pour discuter. Essayez d'appuyer sur la touche R pour parler. Objectif de quête accompli. Les champs comme les forêts conviennent. Bien plus de chevaux que tu ne le penses attendent leurs cavaliers en herbe. J'étais mort d'inquiétude. Tu t'es évanoui sans crier gare. Comment tu te sens? Oh, on dirait bien que tu as du plomb dans l'aile. T'inquiète pas, à Olivia, on a le cœur sur les mains, sur la main. Je te regardais marcher en direction de la ville et tu t'es évanoui dès que j'ai tourné la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne te souviens de rien, voyons voir. D'accord, et c'est ça. C'est une potion de santé, j'en ai quelques-unes sur moi, ça t'aidera à aller mieux. Fields and forests are both common areas for horses. There are plenty of them around waiting for their master. Pas assez de connaissances pour démarrer une conversation. Intérêt villageois d'Olivia. Connaissances nécessaires 6, on a 0. Si tu peux dompter un cheval dès le premier essai, alors tu es un cavalier né.
Là, je sais pas ce qu'on doit faire, les amis. Quête. Ou terminer. Quête. Les alchimistes d'Olivia ont concocté cette potion. Essaye-la. Ok, donc appuyez sur I. Vous voyez la potion de santé qui brille dans votre inventaire. Utilisez-le en faisant un clic droit. Ok. Très bien, appuyez sur R pour parler à celui qui vous a donné la potion de soin. Allez-y. Alors, c'était comment? Elle n'est pas du tonnerre, cette potion? En plus, elle a bien meilleur goût que les autres. Attends, y'a voir, j'étais ma 2 secondes. Ah ouais, pas mal. Quête accomplie, les amis. Rien qu'à tes vêtements, je sais que tu manies la puissance mythique. Mystique. Je ne suis pas sûr de pouvoir t'aider davantage. Je ne suis qu'un palefrenier. Et si tu parlais au chef de la ville? Quand il était plus jeune, lui aussi était explorateur. C'est un homme sage. Je parie qu'il aura des choses à te dire. Ok. Si tu peux dominer un cheval dès le premier essai, ok. Donc ça, on peut pas le faire maintenant, je pense, du coup. Ouais. Vous pouvez enclencher la course automatique. Ok, on appuie sur T. Ah, vous voyez une petite fée qui nous indique où aller. Une genre de petite fée. The destination will be highlighted by a huge pillar of light that you should be able to see from a distance. If you click the yellow button, you'll auto run to the destination. Ok, donc c'est lui, R. Objectif de quête accompli. J'ai obtenu ce collier à Media quand j'étais jeune. C'est peut-être la cause des cauchemars de ma petite fille. C'est à toi si tu en as besoin. Donne. J'ai plus l'âge de me soucier de ces choses-là. Genre, il arrache de son cou, tu sais. Seek out Princess Durette and her investigation team at the Ancient Stone Chamber. You're a new face. Ton visage ne m'est pas familier. Est-ce que tu viens d'une autre région? Si ma mémoire est bonne, tu pratiques la magie. Qu'est-ce qui t'amène à Olvia? Un homme appelé Edan est passé par cette ville. Je pensais que c'était un aventurier ordinaire, mais en fait, c'est une espèce de célébrité. Même la princesse Jared Dedel est venue ici juste pour le voir. Tu m'as l'air d'avoir ton lot d'histoire à raconter. Pourquoi ne pas le rencontrer aussi? Tu as l'air désemparé. Prends ton temps et détends-toi. C'est la plus grande ville de tout Balenos et également la plus calme. Bienvenue à Olvia. You're a new face. Are you from abroad? Ok. Donc là, si j'appuie sur T, ok. Ah, c'est juste là, mais ça va. Expert, dis-tu? Tu n'en as pas l'air. Ah, il parle à quelqu'un d'autre, en fait, pour l'instant. Ouais. Everybody says they're an expert. Could you have done all that by yourself? Not by myself. I'm with an ancient language expert. Une espèce de créature là-bas. Même lui, j'avais pas capté. You stand before Princess Durette. You must mind your. Please understand that it's hard to trust you given the magnitude of the task before us. Return where you came from. Alright then. This gemstone was recovered from the Valencia ruins. It was verified to be authentic by the Imperial Court. It couldn't be. A gem of balance? They say it concealed the dark power, but I never thought I'd see one in my life. Could this be what Sir Jordan is looking for? Fine. You are in charge of the stone chamber investigation. A fortnight. That's how long you'll have for the investigation. Good. You'll see me sooner than that. Destiny must have led you here. Never stop seeking light, even in the deepest darkness.
I'm Eden. Destiny must have led you here. Never stop seeking light, even in the deepest darkness. Experience will gradually reveal the way. Ok, donc vous voyez en bas les amis, 1, 2. Donc là on est au deuxième truc du tutoriel. Ah non, c'est... Ah non, c'est ma main ça. Ah ouais, c'est ma main, mais... Ah mais c'est le tutoriel, c'est pour ça qu'il y a deux bandes grises comme ça, je me disais bien, c'est bizarre. Ok, en attendant, le jeu, les amis, il a l'air de bien tourner. Alors, options. On va essayer de le mettre à fond, juste pour voir. On va se laisser là-dessus, les amis, pour cet épisode. Élevé, moyen, très haut. Ok, appliqué. Ok, les amis, donc. Confirmé. Est-ce que ça bug? Est-ce que ça... Non, ça n'a pas l'air de friser. Quand je marche. Non, ça n'a pas l'air de friser. De... C'est fluide et tout, les amis, je trouve. Oh. Hop. Bon, bah, les amis, on va se laisser sur ça. Pour cette deuxième partie découverte sur Black Desert Online, les amis. Du coup, je ferai une troisième partie du coup, bah, pour la fin du tutoriel. Hein. Et puis, on commencera la série juste après, du coup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous plaît, les amis. N'hésitez pas non plus à check mon Twitter pour être au courant des dernières infos sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Smoke and Play. Ciao, ciao, la mif.